Entendre très nettement. Ah, je me dis, ben oui, mais... Fuck you. Je dis, bon, c'est tout. Je continue à faire mes affaires, c'est tout. Tu as réalisé un de mes films québécois préférés, Parlez-nous d'amour, qui est devenu un film culte. Bon, pour ceux qui ne l'ont pas vu, une critique hallucinante, extrêmement dure, violente même, du milieu du showbiz québécois. Les petites chanteuses qui doivent faire des pipes aux animateurs, aux recherchistes, aux producteurs pour pouvoir avoir une carrière. Jeannot, madame chanson avant de partir. C'est toujours bien long, les auditions, hein? T'as tout montré le côté sale de la télévision et du showbiz au Québec, alors que les gens au Québec aiment tellement leurs vedettes et aiment tellement leur showbiz. Es-tu fou, toi? Mon intention, c'était arrêter de vous faire fourrer, mais je n'ai pas réalisé la cruauté du film, la cruauté réelle du film, avant qu'on le voit en première publique dans une très grande salle de cinéma, avec toutes les madames qui avaient participé, avec tout le milieu, et ainsi de suite. C'était comment les gens reculaient de Saint-Pierre en regardant ce film-là? Beaucoup des madames pleuraient, venaient voir Jacques Boulanger en disant « Dites-nous que c'est pas vrai, dites-nous que c'est pas vrai. » Le milieu en entier a boycotté le film complètement. Dès la sortie de la première, il n'y a pas eu moyen d'avoir une seule entrevue écrite, radiophonique, télévisuelle, suite à la première du film. Je me suis fait descendre par la critique, mais ça, c'est systématique dans ma carrière. Mais ce que j'ai trouvé quand même réconfortant, c'est que 350 000 personnes qui ont vu le film. Ah, oh! Ouais! Bonjour tout le monde! Allô, 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 allô! Comment ça va? Jacques Boulanger était animateur vedette d'une émission de variété tournée devant public. Ouais. Il joue le rôle d'un animateur vedette d'une émission de variété tournée devant public. Ça a presque détruit sa carrière. Est-ce qu'il a été inconscient d'accepter ce rôle-là? L'impression que j'avais, moi, c'est que c'était un gars qui était écœuré de cette magouille-là, qui voulait la sortir et qui espérait, en jouant dans ce film-là, que ça l'amènerait ailleurs, dans un autre type de carrière, parce qu'il était tanné de la faire, celle-là. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Je pense qu'il l'a regretté plus tard. Ça, c'est sûr. Je ne l'ai pas revu depuis. Ce serait impossible de faire un film. Totalement impossible. Oublie ça, totalement impossible. Avec les moyens de coercition des organismes qui financent, c'est impossible. Les diffuseurs, les organismes comme Téléfilm et la SODEC, ils ont des jobs à protéger, puis ils ont des commanditaires, puis il faut qu'ils rendent des comptes au gouvernement, puis il faut... Alors, c'est sûr que c'est beaucoup plus policier que ça l'était dans les années 70. Si tu brasses trop de merde, ça va aller jusqu'en haut. En haut, ils vont dire que ça n'a pas le bon sens. On va réduire leur budget. Fait que tout le monde fait attention à sa job. Tout le monde fait attention. Tout le monde fait attention à sa job, effectivement. Il y a une scène hallucinante dans Parlez-nous d'amour où des gens d'une équipe de télévision décident de faire une fausse audition pour une fausse publicité, font venir une petite madame bien ordinaire, puis la font se déshabiller devant les caméras juste pour rire d'elle. Voulez-vous écarter un peu les jambes? Ça s'est vraiment passé, ce genre de truc-là? Ce genre d'audition-là était régulière, monnaie courante, à Radio-Canada, à Télémétropole. Ça se faisait. Les gars se faisaient des parties comme ça. Après la pause, la suite de cette entrevue avec Jean-Claude Laure.